Même dans leur bonheur, les Sussex s'attirent des critiques. Ce dimanche 14 février, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé une superbe nouvelle à leurs fans, la duchesse est enceinte de leur deuxième enfant. L'un de leurs amis photographes a publié un tendre cliché du couple sur les réseaux sociaux durant cette date symbolique qui honore la mémoire de Lady Di. Nous confirmons que Archie s'apprête à devenir grand frère. Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d'attendre leur deuxième enfant, a fait savoir un porte-parole des Sussex dans la foulée. Une heureuse nouvelle qui ravit les membres de la couronne britannique. Mais agace aussi certaines personnes de leur entourage. Et notamment le photographe officiel de la famille pour The Sun, Arthur Edwards. S'il se réjouit de cette heureuse nouvelle, quelques mois après que Meghan Markle a révélé avoir fait une fausse couche, il désingue la communication du couple. Selon lui, la duchesse est une actrice et tout ce qu'elle fait me semble être un acte qui n'hésiterait pas à chorégraphier sa vie avec le prince Harry comme une réalisatrice de cinéma. Leur dernière photo, mise en scène par Meghan pour annoncer qu'elle attend un enfant, est à l'image du moment où Hugh Grant et Julia Roberts enceintes sont assis au soleil au bout de Notting Hill, écrit le photographe du média qui a perdu une bataille judiciaire contre la future maman. S'il assure être heureux pour les futurs parents, Arthur Edwards fulmine, chaque aspect de son monde a littéralement été transformé en un film hollywoodien ringard. Les membres de la famille royale ne se comportent pas comme ça. La duchesse a décidé de créer une vie pour elle et Harry en Amérique avec tous ses amis du showbiz chic, mais quand il s'agit de faire une annonce, elle veut juste éclipser tout le monde, écrit encore le photographe, qui n'a guère apprécié la jolie photo de Meghan Markle et du prince Harry, qui détaille ensuite les nombreux clichés du couple depuis sa rencontre, tout mis en scène. Tout est très intelligent mais vous savez quoi? Les membres de la famille royale ne se comportent pas comme ça, peste-t-il encore, en assurant que rien de ce que font les Sussex n'est naturel. Loin de lui et de l'Angleterre, les futurs parents n'écoutent pas les critiques et attendent impatiemment le petit frère ou la petite sœur d'Archie. Et Meghan Markle devrait d'ailleurs donner naissance à son deuxième enfant d'ici le début de l'été. Stop.